5 choses que tu peux faire pour optimiser au maximum ton crédit immobilier, des choses que j'ai pu faire moi-même puisque, comme je te le disais, j'ai une 60aine de lots, ce qui veut dire que j'ai de nombreux crédits immobiliers. Combien te faut-il d'appartements pour bénéficier d'un revenu de 2000 euros net par mois? C'est une question qui est légitime et qui est souvent posée par les investisseurs, qu'ils soient débutants ou même confirmés. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Notre société, c'est une société qui te permet eh bien, d'investir dans l'immobilier rentable. Concrètement, tu viens nous voir avec un budget validé par la banque ou par un courtier et à partir de là, eh bien, on va voir ensemble ce qu'on est en mesure de faire avec ton budget dans les zones géographiques qui t'intéressent. On est présent dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France et on est capable de t'accompagner de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location. Ça veut dire que concrètement, tu viens nous voir avec une enveloppe budgétaire, on va trouver le bien en fonction eh bien, de ton cahier des charges et de tes objectifs, on va optimiser le plan, suivre la rénovation pour toi, effectuer eh bien, des visites de chantier pour que tu n'aies pas à le faire, aller jusqu'à la livraison du chantier, l'ameublement et la décoration et on peut même, si c'est ton souhait, le louer et le gérer. Concrètement, tu peux bien sûr suivre toutes les étapes du projet que tu souhaites suivre par toi-même, mais tu te reposes tout le long en fait sur notre équipe et ce qui fait qu'en fait tu délègues la totalité du projet avec à la clé à la fois un gain de temps qui est absolument fabuleux et également un gain d'expertise. C'est-à-dire que nos chasseurs immobiliers vont te permettre de bénéficier des meilleures affaires du marché, c'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent à l'achat, tu vas optimiser au maximum les travaux, le plan du bien, donc tu vas gagner de l'argent sur la partie rénovation et tu vas optimiser également le loyer. On a une vision 360 degrés, ce qui te permet eh bien, d'effectuer selon les zones géographiques les meilleurs projets possibles. Alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur combien d'appartements faut-il pour générer 2000 euros net par mois. C'est ce qu'on va essayer de voir. Moi personnellement, j'ai investi dans un bien, deux biens, trois biens, puis ça s'est emballé. Pourquoi? Parce que quand on commence à investir dans l'immobilier, en général, on commence à le faire avec un objectif qu'on s'est fixé, un objectif potentiellement de loyer mensuel qu'on perçoit, un objectif de valeur de patrimoine, par exemple un patrimoine de 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Il n'y a pas vraiment de limite et puis après, on se prend au jeu. Si tu discutes avec des investisseurs immobiliers qui ont fait plusieurs projets, tu verras qu'au tout départ, on le fait eh bien, bien entendu pour l'argent et puis qu'après, on devient un petit peu accro justement à l'investissement immobilier parce que c'est absolument fabuleux d'investir à la fois pour son avenir, pour sa famille et également de voir eh bien, qu'on investit dans des biens qui sont à la base potentiellement vétustes et qui demain permettront à des locataires d'effectuer, de passer un bout de leur vie. C'est des histoires humaines et quand on fait bien les choses, eh bien, on en tire énormément de satisfaction personnelle. La première chose que je voulais te conseiller, c'est de connaître déjà le chiffre de tes dépenses, de combien d'argent tu as besoin et de combien d'argent tu auras besoin demain potentiellement à ta retraite pour être confort et vivre une vie agréable, pouvoir prendre soin des tiens. On n'a pas tous le même chiffre en tête, ça dépend de plein de choses, de l'endroit où tu vis, du nombre de personnes dans ta famille dont tu dois prendre soin, de tes passions et notamment de ce qu'elles coûtent. Mais connaître ce chiffre qui peut être de 1500, 2000, 3000, 5000 euros par mois, eh bien te permet de savoir fixer tes objectifs immobiliers. Je te prends un exemple concret. Si tu me dis, Manuel, moi, ce qu'il me faut, eh bien, c'est 3000 euros de revenus nets à ma retraite pour être confort et pouvoir profiter de la vie au maximum tout en prenant soin des miens. À partir de là, je vais pouvoir te dire eh bien, combien de biens immobiliers, quelle valeur de patrimoine, avec quel rendement eh bien, il va falloir que tu détiennes de manière à atteindre cet objectif-là et pouvoir mettre en place le système pour que tu sois tranquille quand le moment sera venu en fonction, bien sûr, de différents paramètres. Un des paramètres, eh bien, c'est de savoir quand est-ce que tu souhaites profiter justement de cet argent. Beaucoup de clients qui viennent nous voir chez Investissement Locatif nous disent voilà, moi personnellement je gagne bien ma vie, j'ai un travail qui me plaît, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, j'ai pas envie de quitter tout de suite mon travail, mais je souhaite eh bien avoir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans la possibilité de lever le pied, d'éventuellement changer de boulot et à ce moment-là d'être moins dépendant des revenus de mon travail pour avoir tout simplement le choix. Et à partir de là, eh bien, on va mettre en place avec eux une stratégie qui va dépendre de quand est-ce qu'ils souhaitent eh bien, effectivement potentiellement être libre, en tout cas gagner en liberté par rapport à ses revenus locatifs. Et c'est différent en fonction de chaque personne. J'ai des gens qui viennent me voir qui me disent « Manuel, aujourd'hui j'ai un boulot que je n'aime pas, je souhaite quitter au plus vite mon travail. » Eh bien, ça ne va pas être la même réponse, ça ne va pas être les mêmes biens qu'on va faire acheter à ces clients-là. Et tu vas le voir tout au long de cette vidéo, la stratégie inhérente justement à ta situation personnelle peut énormément varier. Pour faire court, plus tu vas venir nous voir et nous dire « eh bien, je souhaite quitter rapidement mon travail », plus on va avoir une stratégie de cash flow.
Ça veut dire que concrètement, tu vas encaisser un loyer par exemple de 1 000 euros par mois, tu vas avoir un crédit à rembourser qui doit être le plus faible possible pour que le delta, une fois que tu as remboursé ton crédit, eh bien il te reste de l'argent dans la poche, de l'argent que tu peux utiliser tout de suite. Alors tu vas me dire, mais Manuel, mais bien sûr que c'est l'objectif de tout investisseur d'avoir tout de suite l'argent. Et en fait, pas vraiment, parce que concrètement, la génération de cash flow va nécessiter eh bien, des sacrifices. Concrètement, plus tu vas dans une stratégie de cash flow, plus tu vas devoir aller dans des biens qui sont le plus rentables possible, ce qui sous-entend que tu n'es plus dans des zones patrimoniales. On va le voir hein, dans cette vidéo, mais concrètement, ça veut dire que si tu veux une stratégie de cash flow absolu, tu vas devoir étaler ton crédit sur la plus longue durée possible pour rembourser finalement le moins de capital possible chaque mois, ce qui va faire grimper les intérêts bancaires également, puisque plus la durée est longue, plus tu vas payer d'intérêts sur la période, et tu vas devoir aller dans des zones, potentiellement des zones qui vont être plus populaires, potentiellement même aller jusqu'à dans les extrêmes, les plus extrêmes, dans des cités ou à la campagne, en race campagne. C'est là que tu auras, en tout cas sur le papier, les meilleures rentabilités. Et tu vas devoir éventuellement eh bien, utiliser des modes d'exploitation qui vont être plus agressifs, mais qui vont consommer plus de ressources. On prend un extrême pour que tu puisses au mieux comprendre parce que eh bien, souvent sur Internet, quand les gens tombent sur des vidéos d'immobilier, ils tombent sur des choses où on leur annonce des rendements de 10%, 12%, 15%. C'est des rendements énormes et parfois les gens me disent « Mais pourquoi chez Investissement Locatif, vous nous proposez des rendements qui sont plus faibles, qui vont de 4 globalement à 9-10% selon les zones géographiques ?» Tout simplement parce que pour aller chercher le rendement le plus fort possible, il faut aller sur des modes d'exploitation qui sont peut-être moins confortables et je pense notamment à la location courte durée. La location courte durée, c'est hyper intéressant, ça peut être très rentable. Alors hors période de crise, bien évidemment, en pleine crise de confinement, quand le tourisme est à l'arrêt, effectivement là, ponctuellement, ce n'est absolument pas rentable. Mais sur une période classique, eh bien, ça peut être très intéressant et très rentable pour l'investisseur. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est peut-être moins confortable? Parce que eh bien, qui dit courte durée dit beaucoup plus de gestion. Concrètement, c'est presque une activité à part entière. Quand je loue, moi, 60 logements en location longue durée, concrètement, j'ai quasiment rien à faire parce que eh bien, les locataires bougent très peu. J'ai bien sûr quelques relocations, mais ça tourne tout seul et ça paye tout seul tous les mois. Si demain, tu souhaites eh bien, exploiter ces logements en courte durée, ce que je pourrais faire moi-même sur mon parc, eh bien là, il va y avoir des check-in, check-out réguliers, des services de ménage, il va falloir gérer les agendas, etc. Alors même s'il existe aujourd'hui des outils qui te permettent de centraliser les agendas sur les différents sites type Booking, Airbnb, etc., même s'il existe eh bien, des sociétés de conciergerie qui te permettent eh bien, de gérer, de déléguer certaines choses, ça va quand même être beaucoup plus consommateur de temps pour toi et ça va user plus rapidement l'appartement. Voilà, il y a des pendants, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut dire que ce n'est pas forcément adapté à tous les investisseurs. Par exemple, dans mon cas, j'ai voulu aller sur une stratégie peu consommatrice de temps parce que c'est ce que j'appelle moi la stratégie de l'accumulation. Concrètement, je préférais passer mon temps eh bien, à chercher de nouvelles affaires, à monter mes dossiers de crédit bancaire, à accélérer justement fortement le développement de mon patrimoine, ce que j'aurais pas pu faire de cette manière-là en tout cas si j'avais des biens qui étaient exploités en courte durée. Donc voilà, il faut savoir où placer le curseur en fonction de tes objectifs. Deuxièmement, la situation géographique du bien. Plus tu vas dans des zones populaires, plus tu vas eh bien, dans des zones qui sont peu cotées lors de l'achat et plus ton rendement va être élevé. C'est mécanique. Et pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est intéressant d'investir en race campagne dans la Creuse? Je prends toujours cet exemple extrême de la Creuse qui est un département absolument magnifique. Mais en matière de population, on voit que la population peut être vieillissante dans certains villages, qu'elle décroît, qu'il y a peu de locataires, qu'il y a très peu d'acheteurs le jour où tu veux revendre le bien. Et donc, en allant investir là-bas, tu vas, oui, avoir peut-être des immeubles de rapport, des maisons qui vont se vendre 20, 30, 40 000 euros. Donc, sur le papier, tu vas avoir un super rendement locatif. Mais le jour où tu veux ressortir, tu ne peux pas. Le jour où tu veux louer et que malheureusement, il n'y a que très peu de demandes, voire pas du tout, eh bien, tu vas te retrouver avec uniquement un centre de coût, c'est-à-dire que ton immeuble, eh bien, il va être vacant. Et quand un immeuble est vacant, tu vas payer ton crédit, payer la taxe foncière et il n'y a aucune rentrée d'argent. Et là, c'est dramatique pour un investisseur immobilier. Donc, il faut toujours choisir entre le rendement et le patrimoine. Et bien sûr, quand d'un côté, tu as l'extrême, un petit village qui est déserté dans la Creuse où c'est pas cher du tout, où tu as un rendement affiché à 20%, et de l'autre côté, Paris, 6e arrondissement le plus cher, où tu as un rendement à 1,5%. Voilà, il y a tout plein de différentes villes, tout plein de secteurs, de quartiers où tu peux trouver des biens dans le scope entre les deux. Et donc, c'est à toi d'arbitrer. Et nous, on te conseille là-dessus. Quand tu vas venir consulter eh bien, nos conseillers investissement locatif, on va faire le point en fonction de tes objectifs pour te conseiller au mieux. Alors maintenant, par rapport à ce que je disais au tout début de cette vidéo, tu as donc le montant eh bien, que tu souhaites avoir en retraite complémentaire, en revenu passif
au bout de X années, mettons que tu me dises, Manuel, dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, je veux avoir, par exemple, 3000 euros par mois. À partir de là, on va construire toute la stratégie autour. Et cette stratégie, elle va être construite en prenant en compte le potentiel impôt que tu vas avoir à supporter. Parce que quand tu perçois des revenus locatifs, tu as énormément d'impôts à supporter. Tu as bien entendu la taxe foncière, si tu exploites en meublé, tu vas avoir la CFE. Si tu es en SCI, par exemple à l'IS, tu vas avoir potentiellement la CRL, la contribution sur les revenus locatifs. Voilà, il y a énormément d'impôts qui vont se cumuler et qui vont faire qu'au final, eh bien, si tu perçois 3000 euros de revenus locatifs, avec toutes les charges et les impôts, il ne va pas du tout te rester 3000 euros. Donc l'important, c'est que tu puisses programmer, avoir un prévisionnel de ce que tu vas potentiellement toucher dans 15 ans, dans 20 ans. Si c'est ton souhait par exemple d'investir dans du patrimoine et donc d'avoir une rentabilité déportée dans le temps, tout en gardant en tête que l'impôt, malheureusement, il évolue. Et il évolue plutôt à la hausse qu'à la baisse. À ce sujet-là, eh bien, pour te protéger au maximum de l'impôt, tu peux regarder les vidéos qu'on a faites, hein, juste en haut, elles doivent s'afficher, sur l'investissement en nom propre ou en SCI. Et tu verras que dans une stratégie long terme, eh bien, il y a beaucoup plus de prévisibilité fiscale sur l'impôt sur les sociétés que sur l'impôt sur le revenu qui a tendance malheureusement à s'alourdir. Alors moi, ce que je dis globalement, et c'est ce que j'ai calculé sur mon parc, c'est que si on regarde la totalité des impôts qu'on va payer une fois que tous nos logements sont payés, par exemple, si je prends un logement qui va me générer 1000 euros de revenus locatifs bruts, je vais enlever les charges. Une fois que j'ai tout payé dans une vingtaine d'années, eh bien, je vais me rendre compte que malheureusement, l'État va me prendre énormément d'impôts. Ça va dépasser les 50% du montant et il va me rester environ dans la poche. Ça dépend des calculs, ça dépend bien sûr du régime d'exploitation, mais il va me rester 400 euros seulement. Alors je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais si pour 1000 euros de loyer, l'État, les charges, etc., il me reste que 400 euros dans le meilleur des cas dans la poche, bah, combien d'appartements il me faut pour avoir justement ces 2000 euros nets dans la poche? Donc voilà, bah, le calcul est assez simple dans ce cas-là. Dans ces cas-là, il te faudrait par exemple 5 appartements qui génèrent 1000 euros, donc 5000 euros de revenus locatifs pour avoir 2000 euros nets dans la poche. Un appartement qui rapporte 1000 euros de loyer, c'est par exemple un T2 à Paris. Dans les grandes lignes, un T2 à Paris, ça peut rapporter entre 900 et 1300, 1400 euros. Ça va dépendre bien entendu de la surface du bien, de la situation dans le quartier. Mais c'est un exemple et il n'y a pas que Paris. Ça peut également être un appartement qui est situé à Lille, à Lyon, etc. Donc là, il faudra étudier bien sûr en fonction de la zone géographique dans laquelle eh bien, tu souhaites investir. Dans ce calcul-là, et c'est pour ça qu'on le dit toujours chez Investissement Locatif, la fiscalité, eh bien, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que faire un projet rentable, investir eh bien, sans prendre en compte la variable fiscale, ça peut tout changer. Tu as un rendement affiché de 6% par exemple. Eh bien, la variable fiscale peut faire passer ce rendement net de quasiment 6%. Si tu l'exploites par exemple en LMNP réel pendant une dizaine d'années, tu ne vas quasiment pas payer d'impôt sur ces revenus locatifs générés. À un rendement de 2-2,5%, si par exemple tu l'exploites en revenu foncier et que tu as un taux marginal d'imposition qui est très élevé. Donc voilà, donc c'est à prendre en compte, ça peut changer beaucoup de choses. Nos clients globalement s'orientent en règle générale vers le LMNP réel s'ils détiennent en propre ou vers les SCI LIS pour se protéger de l'impôt direct sur le revenu. Voilà, donc on a ces deux modes qui sont les plus intéressants. Encore une fois, ça va dépendre des situations. Certains clients peuvent faire du déficit foncier. Il y a énormément de modes et de fiscalité possibles, mais garde en tête en tout cas que c'est une variable que tu dois prendre en compte dans le calcul de tes revenus locatifs futurs puisque c'est ce qui va générer eh bien, ta liberté financière. Puisque des revenus passifs, ça te fait gagner en liberté financière, c'est pas un gros mot. Et cette prise en compte eh bien, de la variable fiscale va te permettre eh bien, de savoir à la fin combien tu vas avoir dans la poche, combien tu vas avoir de revenus locatifs nets et donc de revenus passifs. Alors sur la fiscalité, c'est ce que je dis toujours, l'État en fait a mis en place des impôts pour que tu ne détiennes pas comme un rentier, puisque pour eux c'est un gros mot, pas pour nous mais pour eux c'est le cas, pour que tu ne détiennes pas ton bien 30, 40, 50 ans. Concrètement, ce que veut l'État, c'est du mouvement. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur chaque mouvement, il va encaisser. Chaque fois, il va prendre 8% de frais de notaire. Donc voilà, ça remplit les caisses de l'État. Par exemple, en 2019, ça a rapporté énormément d'argent, plus d'un million de transactions. À chaque fois qu'il y a du mouvement, eh bien, l'État prend ses impôts et donc, effectivement, ça remplit les caisses de l'État. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un investisseur immobilier, qu'on veut avoir une gestion efficace de son investissement et de son parc immobilier? Eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, qui va dépendre du rendement locatif du bien, qui va dépendre bien sûr du régime fiscal qui a été choisi, ça peut être intéressant de revendre plutôt que de conserver en détention. Par exemple, au LMNP réel, si tu veux être un investisseur rentable, une fois que tu as consommé ton déficit, le déficit initial, une fois que tu as amorti tes meubles, que tu as amorti tes travaux, eh bien ça peut être plus intéressant de revendre en bénéficiant de la plus-value des particuliers, hein, c'est le cas au LMNP réel, pour réinvestir dans un bien rentable. Donc tu vas essayer de revendre bien entendu à une fourchette de prix qui va être la plus haute possible et tu vas essayer de racheter
le moins cher possible en faisant une bonne affaire et en faisant encore des travaux, en meublant, décorant et en réexploitant soit LMNP réel, soit bien entendu en SCILIS. Mais voilà, même si je sais que ce n'est pas confortable parce qu'on s'attache au bien, on s'attache, il y a un côté affect. Moi, j'ai des biens que j'ai depuis plusieurs années. Je peux vous garantir que je me projette, j'imagine même ma fille dedans, j'ai aucune envie de les vendre. Mais malheureusement, dans le système fiscal actuel, je sais qu'au bout d'un certain temps, j'ai intérêt de vendre pour racheter. Parce que oui, je vais repayer les 8% de frais de notaire, mais je vais pouvoir faire une bonne affaire à la vente, acheter moins cher et donc surtout, et c'est là que c'est intéressant, recommencer mon grand cycle d'amortissement. Je vais amortir le montant du bien, déduire en déduisant bien sûr la valeur du foncier, donc du terrain qui ne s'amortit pas. Et je vais amortir le montant des travaux, je vais amortir le montant des meubles, et je vais passer en déficit les frais de notaire, etc., les frais d'agence. Et donc, je vais repartir sur un cycle où à nouveau, sur ce nouvel investissement, je ne vais pas payer d'impôts pendant de nombreuses années et je vais récupérer le cash de la plus-value qui va être liée à la vente. Donc, tu vas avoir intérêt en tant qu'investisseur rentable eh bien, à revendre pour racheter parce que fiscalement, tu rentres dans un cycle où tu ne vas pas payer d'impôts à nouveau pendant un certain nombre d'années. Voilà, garde en tête en tout cas que si tu souhaites atteindre 2000 euros par mois, plus l'horizon va être court, plus tu vas devoir aller vers des biens qui vont être rentables et donc plus tu vas devoir aller sur des modes d'exploitation, colocation, location courte durée, qui vont être potentiellement un petit peu moins confortables. Et également, plus tu vas aller vers des biens qui sont situés dans des zones qui sont populaires, voire sinistrées, ou même des zones un petit peu excentrées. Si tu fais du placement patrimonial parce que aujourd'hui tu as un travail, que ça se passe bien, que tu aimes ce que tu fais, que tu gagnes bien ta vie, que tu n'as pas besoin d'argent tout de suite, mais que tu souhaites placer dans un patrimoine qui va prendre de la valeur potentiellement, qui va être très liquide lors de la revente, et bien là tu vas aller sur des zones patrimoniales. Ça ne va pas forcément te générer de cash flow tout de suite, mais en revanche, tu vas développer un patrimoine qui va avoir une valeur, qui va potentiellement prendre de la valeur et ça va te permettre eh bien, d'avoir ces revenus de manière différée. Tu vas en bénéficier dans 15 ans, 20 ans et à ce moment-là, eh bien, tu pourras bénéficier de tes revenus passifs issus des loyers. Enfin, prends à chaque fois en compte l'effet fiscalité. Ne crois pas que si tu touches 1000 euros de loyer, 2000 euros de loyer, eh bien, tu auras la même somme dans la poche. Prends en compte le fait qu'environ 60% va être consommé, que ce soit par les charges ou par la fiscalité et que donc il te restera globalement 40% de la valeur initiale des loyers bruts dans la poche. Et bien entendu, ce chiffre-là, c'est une approximation. Ça va dépendre eh bien, de ta tranche d'impôt, ça va dépendre d'énormément de choses, des charges sur les biens, des biens que tu détiens. Mais ça te permet eh bien, déjà d'avoir quand même un chiffre pour faire un calcul rapide. Si tu souhaites aller plus loin, faire le point sur les projets réalisables en fonction des grandes zones géographiques, je t'invite eh bien, à cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe. Elle est disponible en permanence. Le rendez-vous, encore une fois, te permettra de voir si oui ou non, eh bien, c'est opportun pour toi et pour nous de travailler ensemble sur le développement de ton patrimoine immobilier. En tout cas, nous, on sera très heureux d'échanger avec toi. Ça n'engage à rien. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et mets-moi en commentaire quels sont tes objectifs, combien de revenus passifs eh bien, tu vises et à quel horizon, donc combien tu veux avoir chaque mois et à quel horizon de temps. Et puis voilà, on pourra lancer le débat dans les commentaires. Merci de suivre nos vidéos et à très bientôt. Ciao.